Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une sorte de crash test dans la série des je teste des tutos des youtubeuses, des youtubeurs. J'en avais déjà fait avec Kiyu, avec Enjoy Phoenix. Et aujourd'hui j'ai direct pensé à ça parce que je veux absolument réussir à faire cette coiffure, surtout pour Noël, parce que je trouve ça juste trop adorable. Et c'est un nœud dans les cheveux, mais enfin vous savez, en fait, faire un nœud avec ses propres cheveux. Donc moi j'ai les cheveux quand même assez épais et assez longs, donc je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Et j'ai vu que la chaîne The World of Sister, donc je vous mettrai le lien de leur vidéo en barre d'informations, avait fait ce tuto dans une de leurs vidéos, avait inclus ce tuto. Et là je me suis dit, mais Lucie, c'est ton moment quoi, c'est le moment de le faire. Surtout que c'est Noël, donc voilà, je teste pour vous aujourd'hui une coiffure de Noël. Donc j'ai pris la vidéo avec moi et je vais essayer de le faire. Donc je vais être obligée de vous tourner le dos pour cette vidéo parce que tout se passe derrière en fait. Donc on va voir. Donc je me suis munie d'un élastique et de petites pinces, vous savez, les petites barrettes un petit peu crocodile là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et on va essayer ça tout de suite. Alors, étape numéro 1, j'espère que vous m'entendez bien. C'est un peu le tuto de la galère, je pense. Elle dit de faire une sorte de queue de cheval, de demi-queue de cheval. Donc j'ai séparé mes cheveux en deux et je fais une demi-queue de cheval, donc un tour. Et le deuxième, en fait, il faut pas le... Je vais faire trois, moi. Le troisième, faut pas le terminer. Il faut, vous savez, faire une sorte de petit bun. Donc elle dit qu'ensuite, le bun, il faut le séparer en deux parties. Alors c'est quand même assez compliqué, moi, je trouve, de le faire tout seul. Et donc elle dit de prendre des barrettes, donc je ne les ai pas sorties, et de en fait les attacher sur le côté. Alors on va essayer, mais franchement moi qui suis si nulle en coiffure, elle dit que c'est simple, mais moi je trouve ça super compliqué. Hop, là ça tient plutôt bien, mais j'ai pas l'impression du coup que ça fasse des nœuds. Pas trop si ça fonctionne. En fait, vu que je me vois pas, vous êtes en train de voir, vous êtes en train de vous dire, ça se trouve ça ne ressemble à rien, mais là il y a des barrettes qui se voient. Enfin, je pense pas que ça va faire joli du coup. Alors, on va attendre la suite. Et donc ensuite, la prochaine étape, elle dit qu'il faut prendre donc une petite mèche qu'on a en fait dans notre queue de cheval et qu'on la passe au milieu pour faire une sorte de nœud. Alors elle dit pas s'il faut que ce soit épais ou pas. Je prends une mèche quand même assez épaisse. Alors le milieu, il est où? Voilà, ici. Oh là là, la galère. Mais je comprends pas où elle passe, parce que moi j'ai pas d'espace pour le passer. Je comprends pas comment elle fait. Je vois pas le résultat, mais je sais directement que je suis pas censée avoir une antenne au-dessus de la tête, quoi. Sauf que j'ai les cheveux plus clairs en bas qu'en haut, ça doit être ridicule. Vous avez le droit de vous moquer là actuellement. Mais en fait, on le met comme ça, mais après cette mèche là, elle est pas... Franchement, c'est une galère, je comprends pas. Toutes les youtubeuses, elles y arrivent en 5 minutes, au moins incapables de faire une coiffure pour Noël digne de ce nom. Je vais essayer de prendre une plus petite mèche peut-être, mais le truc sera le même en fait. Enfin, je peux pas la passer là. Comment vous voulez que je la passe? Je peux pas la passer. Et même si je la cale avec une pince, ben vous avez toujours le bout qui sort. Franchement, je suis un peu dégoûtée, ça ne ressemble à rien. Et pourtant, j'ai essayé. Bon, non, on va pas se mentir, je crois que ce tuto est un peu loupé. Et je suis quand même assez triste parce que j'adore cette coiffure. Et genre, la fille dans la vidéo, elle le fait en 5 minutes, quoi. Mais même pas 5 minutes, qu'est-ce que je dis? En 3 minutes, c'est fait. Alors que moi, je pense que je peux passer des heures dessus, j'y arriverai jamais. Je pense que je demanderai à quelqu'un ou à ma soeur, par exemple, à Noël, si elle veut pas essayer de me le faire. Non, mais vous voyez cette antenne, enfin, c'est pas possible, c'est pas ça le tuto, ça ressemble pas à ça à la fin, quoi, dans sa vidéo ou même dans les autres vidéos. Donc, si vous avez des astuces pour réussir cette coiffure, je sais pas trop quand je vais poster cette vidéo, sûrement le vendredi 23, donc ça veut dire qu'il nous reste une journée ou deux, ça dépend quand vous fêtez Noël, mais pour moi une journée pour réussir à faire cette coiffure nœud. Donc n'hésitez pas à me donner tous vos conseils en commentaire, parce que je crois que j'en ai vraiment besoin là, c'est un peu catastrophique. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a fait rire, mais vous allez pas trop vous moquer de moi. Je sais que je suis nulle en coiffure, mais j'essaie à chaque fois, mais je comprends pas déjà. Elles le font sans miroir, mais même sans miroir, vu que c'est derrière la tête, c'est super compliqué quoi. Enfin voilà, moi je vous fais à tous de très gros bisous, on se retrouve demain pour la dernière vidéo. Voilà.
pour la dernière vidéo, c'est déjà presque fini. J'espère que vous avez aimé cette semaine avec moi. Moi, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et à demain.